J'aurais voulu être un autiste. Retenir par cœur les numéros. Bonjour, j'imagine que je n'ai pas besoin de me présenter. Ma silhouette, à la fois majestueuse et gracieuse, est internationalement célèbre. Je symbolise la ville de Paris et même la France dans le monde entier. Je suis si emblématique de l'Hexagone qu'à côté de moi, la Joconde fait figure de travailleuse immigrée. J'ai déjà plus de 5 quarts de siècle au compteur, mine de rien. Je ne les parais pas, je sais. C'est que comme toutes les vraies stars, je suis bien entretenu. Je peux toujours compter sur une armada de petites mains qui veillent à ce que je conserve ma ligne et mon éclat. De ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre, merci. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai assez d'énergie, malgré mon âge vénérable, pour vous dire haut et fort une bonne chose. Parisienne, parisien, vous commencez sérieusement à me faire chier! Pardonnez-moi d'être un peu grossière. J'ai conscience que ce n'est pas le langage que l'on serait en droit d'attendre d'une élégance de la belle époque. Mais il faut bien dire ce qui est. Pour commencer, on ne peut pas dire que vous m'ayez très bien accueilli. J'entends encore vos ancêtres déblatérer sur mon compte, alors que j'étais encore qu'une petite fille. Ils disaient que j'allais défigurer le paysage. Mes oreilles de fer en ont été marquées à vie. Ma vie qui a bien failli être courte, puisqu'il a été envisagé de me démonter après l'exposition universelle. Quel mépris pour ce cher Gustave qui m'a conçu et pour tous ceux qui ont usé leurs mains en me construisant. Par bonheur, j'ai finalement échappé à la ferraille, ce qui m'a valu d'être vendu par un escroc à un industriel crédule. Oui, vendu, comme une vulgaire fille de joie. Heureusement, la transaction n'avait strictement rien d'officiel, mais quelle dame accepterait stoïquement une telle humiliation? Mais ce n'était que le début, hélas. En 1940, vous avez baissé votre froc face aux soldats de ce tyran mégalomane, il a fallu que je pose à ses côtés, sur un selfie qui circule encore et toujours sur Internet. Ce cliché est une intolérable souillure pour ma réputation. Jamais je n'ai collaboré avec l'ennemi. Aucune de mes poutrelles n'a servi à construire des obus allemands. De toute façon, vous n'auriez jamais pu me tondre, je n'ai même pas de cheveux. Ensuite, vous avez eu le maire de Paris, ce beau parleur gominé, qui a transformé la ville lumière en un gigantesque cloaque de béton et de bitume, perpétuellement enfumé et encombré. Moi qui étais une élégante parmi les élégantes, je suis devenu peu à peu l'un des derniers attraits d'un rassemblement d'étrons de ciment, comme une jolie fleur sur la poitrine flétrie d'une vieille rombière rebutante et acariâtre. Je n'ai pas la grosse tête, mais je me sens parfois un peu seul, pris en sandwich entre la tour Montparnasse et le Sacré-Cœur de Montmartre. Un phallus de métal et un chou-fleur qui insulte la mémoire de la commune. Pouah! Et comme si tout ça ne suffisait pas, chaque fois que vous vous lancez dans une fête puérile et coûteuse, il faut vous m'y associer, sans me demander mon avis. Je ne suis pas prêt d'oublier le passage à l'an 2000, pour lequel vous m'avez affublé d'un compteur anxiogène avant de me faire clignoter comme une cocotte, à mon âge. Vous forceriez votre grand-mère à parader avec une plume dans l'arrière-train, peut-être? Je m'en étais à peine remise que vous me collez les anneaux olympiques. Alors que ce soit clair, si vous amusez d'assister pendant 15 jours aux gesticulations de bœufs aux hormones, pourquoi pas après tout? Vous rirez moins quand on vous présentera la note, mais bon, c'est votre problème après tout. Ce n'est pas une raison pour me défigurer avec ces anneaux ridicules et bariolés. J'ai l'impression qu'on m'a passé les menottes, alors je ne suis coupable de rien. Si des millions de touristes viennent me visiter chaque année, c'est pour m'admirer dans ma beauté originelle, celle que mon cher Gustave m'avait conçue, pas pour me voir affublé d'une babiole pour adolescent attardé. On n'offrira pas un collier de pacotille à Sarah Bernhardt. Avec tout l'argent que je vous rapporte, vous pourriez en respecter un peu, à la fin. Voilà, il fallait que ça sorte. Ça fait 135 ans que je me tais, mais là, c'était la goutte d'eau. Si je décide d'aller rejoindre ma grande sœur, la Statue de la Liberté à New York, il ne faudra pas demander d'où ça vient. Là-bas, moi, je serai à 4000 km des prochains Jeux Olympiques. C'est à croire que l'important n'est pas de gagner. Et de faire chier! J'aurais voulu être un autiste. 22 moins 3, ça fait 0.